Vous êtes sur le plateau de M6. Nous avons ici Sue and Victor. Victoria, elle est suédoise et Sue anglaise. Pour ça, ils ont un micro dans leur oreille. Nous allons donc, je vais traduire ce qu'elle en dit. Sue, comment allez-vous aujourd'hui? Mais je sais pas comment on dit bien en anglais. Mais dis donc, tu dis n'importe quoi? J'ai pas dit que tu parlais vraiment anglais. Ah, elle me dit qu'elle va très bien, qu'elle est heureuse de venir ici. Et Victoria? Je suis très contente d'être ici. Ok. Faut que ça tourne. Hein. Qu'est-ce que vous êtes venu faire en France? I don't know. Vous étiez? Bah, je suis venue faire la roue de la fortune avec. Comment il s'appelle celui-là? Christophe de Chavannes. Voilà. Ok. Et la roue de la fortune se passe très bien? Yeah. Ouais. Ça va, assez. Ok. Et Sue? Quoi? Vous êtes venue vous visiter quoi en France? La musée. Les musées, vous voulez dire? What you were there was our letter. Alors, elle nous dit qu'elle est venue voir le musée du Louvre où elle n'a rien découvert du tout. Qu'est-ce qu'elle fait, ces vibres dans le ciel? En plus, elle est moche. Victoria, où sont passés vos seins? Je les ai perdus en route. Ah ouais, mais je croyais que c'était des faux, moi. Bah c'était des plastiques. Mais ils sont partis, ou comment ils sont partis? Bah en fait je courais, je faisais du jogging. Et puis là, il y en a un qui est parti. Donc j'en avais l'autre. Bah tant pis. Oh que c'est triste. Vous n'êtes plus du tout la même maintenant. Et si vous avez toujours vos seins, c'est bien. Yes. Ça fait des poils au cul. Morgan. Bon, je pense que Victoria va nous quitter parce qu'il y a la roue de la fortune tout à l'heure. Non. D'accord. Mais en fait... Elle a changé de voix déjà, Victoria. En fait... Mais en fait, Christophe de Chavannes, ouais. Et bah, il m'a dit de partir. Pourquoi vous avez démissionné ou... Oui, j'ai démissionné. Parce que, en fait, je suis trop bien pour lui, c'est obligé. Et toi, reste là. Aïe. Sue et Victoria, arrêtez de vous battre, s'il vous plaît. Ma ceinture. Ma ceinture du havre. Ok. Je pense qu'on devrait imiter autre chose que ça. Parce que l'interview, je crois qu'elle est finie. Et nous sommes très heureux de vous avoir accueillis. 3 minutes. And Jackie ne se mouille. Merci beaucoup. Non, en vrai, je suis comme ça. Oui, très moche. Voilà, c'était mon petit interview pour moi. Thank you very much. C'est le mot de la fin de Sue, qui n'a pas parlé de toute la plateforme, nous dit thank you very much. Et René, il va bien? Yeah. Every time you go to hell. Et ben. Ah, je peux tourner ma tête à l'envers, regardez. Regardez. Mais non, mais c'est coucou. Coucou. Mais tiens, fais les gogo. Dégage-toi. Et on raconte que des trucs. Aïe. Il y aura des trucs qui sont. Sur la tête de ma mère. J'ai plus rien à vous dire. Je me tiens devant le commissaire. Attends, sur la tête de ma mère. Attends. Vas-y. Regarde-toi maintenant. Regarde-toi. La mélodie de mine. Mais reste à l'aise, c'est mieux.
l'appareil photo. Voilà, au moins tu regardes Penny là. Oh, regarde la forêt. Vous profitez là, hein, pourquoi vous faites comme vous donnez Coco? Qui? Comme vous donnez Coco? Ah non, c'est toi qui viens. Si, il faut pas. Vous donnez Coco, c'est qui? D'accord. Non, non, c'est pas comme eux. Ah oui, ah, mais pas comme eux. Parce qu'ils ont mis des musiques derrière et ils bougent avec Ah non, 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 c'est pas comme eux. On va dire. Non, t'as pas vu du lance avant? Bah non, j'ai vu. Eh viens, on les fait voir! Non, non, j'ai l'air pas de tout d'habitude. Bah, dégage alors. Laura, t'as quelqu'un?